5 000 spectateurs seulement ont assisté cet après-midi au stade municipal de Gerland à Lyon, au derby méridional opposant ces grands spécialistes de la Coupe de France que sont Marseille et Nice. Marseille joue en blanc à gauche de votre écran et Nice en maillot rayé sombre à droite. D'entrée, Nice appuie ses actions et c'est bien contre le cours du jeu que les Marseillais vont ouvrir le score dès la 12e minute de jeu, suivez bien l'action, sur un centre de Sansonetti et un tir de Milazzo consécutif à une offensive de Roy. Ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps où Marseille mène par 1-0. Dès la reprise, Nice attaque à outrance et à la 48e minute de jeu, De Bourgoin égalise. Alors que le gardien de but niçois Lamia, blessé, est évacué du terrain après un choc avec l'avant-centre Roy. Pendant les 15 premières minutes de la prolongation, les équipes font de louables efforts malgré leur grande fatigue, alors que Lamia a repris sa place dans les buts. Puis, 3 minutes après la reprise de la deuxième partie de la prolongation, Milazzo donne l'avantage à son équipe. Et voici le tir de Milazzo qui marque. Marseille mène donc par 2-1. La réaction niçoise est immédiate et Giner, le demi-niçois monté à l'attaque d'une tête magnifique, égalise. Match nul, 2 buts partout, le match sera joué cette semaine.